Paolo Martino, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur BIP TV. Merci. Alors, tout à l'heure, j'annonçais une mesure d'Emmanuel Macron. D'ici 2019, 10 000 réfugiés. Vous en pensez quoi, vous ? En fait, j'ai toujours pensé que pour nous, Italiens, Français, Allemands, Européens en général, c'est un privilège qu'il y a beaucoup de gens d'autres régions du monde qui sont intéressés à venir vivre chez nous. Donc, ce n'est pas une question de devoir, c'est quelque chose qui nous ouvre des portes. Oui, des portes. Ouais. Le contact, c'est toujours, en fait, le progrès vient avec le contact. C'est ça. Oui. Alors, vous avez choisi cette thématique, sensibiliser sur les réfugiés. Pourquoi vous êtes focalisé dessus? En fait, c'est quelque chose de très personnel. J'ai toujours eu une grande curiosité de voir les routes de réfugiés. Donc, ouais. La première fois, j'avais 20 ans. J'ai voyagé sur la route qui vient de l'Asie centrale jusqu'à l'Europe. Ouais. Et c'était une expérience très, très importante pour moi. Et après ça, j'ai commencé à faire des reportages et doucement des documentaires. Et oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent en Italie, qui arrivent en Sicile. Hein. C'est un gros, gros point où ils arrivent. Donc ça part de là et ensuite il reste bloqué là-bas en Italie. En fait, ça part pas de là. La majorité de gens qui arrivent en Sicile, ils ont commencé le voyage il y a quelquefois 5 ans. Oui, ils sont des voyages très lents. Pour ceux qui arrivent de l'Afrique, il y a des fois qu'ils restent des années sur la route avant de traverser la Méditerranée. Peut-être il y a des gens qui ont déjà 4-5 ans de voyage derrière. Ouais. Mais la Sicile, c'est aussi, je pense, une étape pour la majorité d'eux. La majorité, ils veulent continuer le voyage jusqu'à l'Europe centrale. D'accord. France, Allemagne, Angleterre. Même s'il y a quelqu'un qui a l'idée claire de rester en Italie, mais ce n'est pas la majorité. Très bien, on va regarder un extrait de votre documentaire. Oui, bien sûr. انا اول دوله اتغذى ايطاليا رحت على لامبادوزا احنا جينا في قارب خشب 130 انسان احنا جينا كنا حنموت في البحر ثلاث ايام واحنا في البحر ليل ونهار وما فيش اكل وما فيش حاجه وصلنا على لامبادوزا استنى بعد ما فيش ديكومنت ما فيش سكن ما فيش رعايه ما فيش حاجه رحنا للشارع انا في الشارع نرقد في الشارع لكن ما فيش مكان جيت على فرنسا People here get all types of asylum protection and they found themselves abandoned at some point. They were unable to enter the society. They were unable to communicate with people. When you see these things, like, you forget why did you travel, but still you want to go because you feel like it's your right to be able to move, to go around wherever you are. The first time I entered prison in all of my life was when I tried to enter Europe. I never actually knew how a prison looked like. How's the feeling to be inside a prison? Until I decided to go to a place where there are more rights. Forget about actually the reason you started this journey. No matter how useless the reason is, no matter how strong the reason is. Donc Paolo, vous avez suivi ce jeune homme. C'est ça l'histoire du film. Oui. Toutes les difficultés qu'il rencontre et ce qu'on entend, c'est assez fort ce qu'il dit. Oui, oui. En fait, la chose plus intéressante, c'est que sa situation personnelle, en fait, on peut dire que c'est une situation générale. Il y a beaucoup de gens comme lui. Après, le film parle de sa situation, de sa famille qui vit en Suède, mais il ne peut pas la rejoindre. Oui, c'est ça. Et là, il y a, on peut dire, la majorité de migrants qui arrivent en Italie qui ont quelqu'un
à chercher dans les restes d'Europe. Ouais. Donc, Raël, le protagoniste, il raconte quelque chose qui est beaucoup plus commun. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire passer, vous, comme message en tant que réalisateur? Moi, je pense que le film a déjà le film porte ces messages-là, la liberté. Oui, la liberté, c'est pas important notre origine. La chose plus importante, ouais, c'est avoir l'esprit, la liberté de nous chercher notre destin. Et donc, même si on est italien, européen ou d'autres continents. Pays. Ouais. Très bien. Ce soir, un débat public à 20h30 hein, au cinéma, au Centre des Congrès, les Élysées. Il y aura des réfugiés d'Issoudun. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans cette cause. Mm-hmm. Et puis vous qui serez là pour discuter après avec le public. Oui, bien sûr. Très bien. Merci d'être passé nous voir. Avec toi. Merci.